Voilà, on est le 6 août 2020 et on part. Ça, les filles, vous êtes prêtes? Ouais, même si j'ai pris. Oh, ouais, ma boule de poil, il est pressé de partir. Ma boule de poil qui nous a fait une queue morte, ce qu'on appelle aussi la queue cassée. Parce qu'il a été nager dans les eaux froides et donc du coup, voilà, il a eu une espèce de d'inflammation au niveau de la queue, ce qui fait que du coup la queue ne bouge pas et elle reste inerte. Et avec du repos, ben, ça va mieux. Donc là, on est content puisque c'est redevenu plus ou moins normal. Voilà. Là, Cédric est en train de préparer donc l'intérieur de la tanie. Et voilà, donc on va dire adieu à ce cadre. Voilà, magique. Et on est resté une nuit de plus ici. Normalement, on aurait dû partir hier. Et puis on s'est dit, bah allez, on va faire les hors-la-loi. Et on va rester une nuit de plus, sachant que là, il y avait un camping-car. Ils sont restés au moins 4-5 nuits faciles. Donc on s'est dit, allez, nous aussi, hein, c'est pas parce qu'on n'est pas néerlandais qu'on va pas rester sur place. Et là, ben, c'est parti. Direction la frontière belge, puisque ben, il faut qu'on rentre en France. Je l'ai loupé. Bon, je voulais filmer Jou qui monte dans le camion. Parce qu'on n'a plus besoin de le porter. Maintenant, il monte tout seul. Comme un vrai grand maintenant, pas comme un vieux. Voilà. T'es content, mon Jouk-Jouk? Bon, Oda, elle a aucun souci à monter. Vas-y, mon Fifi. Voilà, Oda, hop c'est là. mieux. Tout en souplesse. Voilà. Jouk, c'est tout en douceur. Oda, c'est. Donc, Oda va monter sur le fauteuil, comme d'hab. Et puis, ben, Jouk, lui, va s'affaler par terre. Devant, Louloute est avec moi, comme d'hab. Il fait chaud? Aïe. Bon, on va rouler les fenêtres ouvertes. Donc là, je vais aller. Est-ce que tu veux qu'on vérifie les. Non? Bon, habituellement. Eh ben, laisse-leur dans le camion. On va leur laisser un peu d'eau aux chiens dans le camion. On est arrivé chez Vlémix. Donc en fait, on s'est arrêté parce que, comme vous le savez, Cédric a bousillé une jante de la remorque. Donc du coup là, il est parti voir. Donc ici, il est rentré là, ben voilà. Et en fait, il est parti voir s'il y avait possibilité de racheter donc une jante et en même temps d'acheter des garde-boue. Donc voilà, on va essayer d'avoir des garde-boue, vous savez, pour essayer de ici protéger la tiny un peu mieux. And when you have a low model, it's the this one, right? Low model. Okay. Yeah. Low model. Yeah, correct. Correct. It's not possible to put the. Yeah, I think not anymore because yes. There is it's 5 centimeters. Yeah, I think it's too less. Yes, I can cut the shear. But I just win 5 or 10 millimeters. I can sell it to you, but yeah, you have to check if it's yes. If it's workable or not. Because not when it's rainy, okay. There is a lot of water, so. Okay. Yeah, I can show you. I can show you inside. Donc c'est ça que tu veux en fait comme garde-boue? Ah, c'était un garde-boue. Je sais pas, il m'a dit que je savais peut-être le couper. Ouais. Et il m'a dit que je pouvais essayer, voir ce que ça donnait. Ok, et la jante là-bas, elle est, enfin la roue, elle est à toi? Non, je n'ai pas payé encore, mais en gros, c'est 80 balles la jante, avec le pneu. Ouais. Ils vendent que l'ensemble, ils vendent pas la jante séparément. Ouais. Et les deux garde-boue, ça revient avec, parce qu'il y a des bavettes, un peu comme celle-là. Mais limite, je prends pas les bavettes, parce que je récupérerai celle-là. Ok. Et ça serait 60 balles, donc à
peut-être que 50. 60€ les deux ? Les deux, ouais. Ah, oh, ouais, ça va. Peut-être que ça serait 55 balles et je vais essayer de négocier un peu, quoi. Histoire qu'on leur fasse de la pub. Ouais, je sais pas. Je leur dirais que je vais envoyer un mail et qu'ils m'ont pas répondu. Et j'aurais bien aimé filmer l'intérieur. Parce que. Ils montrent l'assemblage et tout. Puis ça pourrait l'air top secret, quoi. Non plus. Ah. Je verrai avec lui. Ouais, ok. Je vais lui dire qu'on aura mangé. Ok. Il m'a dit que vous pouvez rester là. Good! Alors le jeune homme est parti chercher le patron parce qu'il pense qu'en fait ça va être trop serré. Ça va pas aller, vous voyez, il n'y a pas assez d'espace en fait entre la roue et le garde-boue. Because this part, comment on dit en français, avoid the hinge to move. Yeah, I see. The wheel touch the ground. Yeah. And this part is not. Yeah. Yeah, it has to go in. Yes. Immediately. And after. Yeah. This part. Yeah. Instead of turn around the axle. J'espère pas. Attends, j'espère que ce sera gratos. Donc en fait, ils vont nous changer au jockey là. Parce que bon, comme vous le savez, on avait un souci, ça ne fonctionnait pas correctement et le monsieur nous dit que visiblement il va nous en donner une nouvelle. Donc on croise les doigts pourvu que ce soit gratos. Le trick, c'était pas tout à fait la technique d'aujourd'hui. Hein. Donc maintenant, effectivement, ils ont décidé, les premières deux versions, les nouveaux modèles sont effectivement. Quelle était la probabilité qu'on rencontre le patron de Speed Nautique chez Vlemix? Franchement, la probabilité, elle était vraiment très très mince. On est super content parce qu'il est super gentil, on a bien parlé avec lui et il nous a même trouvé une solution pour la roue jockey. Donc on va aller voir sur son site pour acheter ce qu'il faut. Bon, nous sommes avec le patron de Speed Nautique et on va aller demander à Vlemix si on peut filmer les intérieurs des locaux. Bon, moi c'est toi. Les remorques sont assemblées, ensuite elles vont être soudées là-bas et à la fin elles finissent ici. En fait là, sur cette cassure là, on la voit ici, ouais. Sur notre tiny c'est cintré. Ouais. Et en fait sur les nouvelles tiny, en fait ils prédécoupent le tube, ils le plient. Et ensuite, ils font la soudure. C'est pour ça, okay, qu'ils ont mis un renfort. Tu vois, il y a une plaque de renfort là. Ok, d'accord. Combien ? Ça donne 7,20 m plus 1,20 m de timon. Ok. Ah, je suis trop contente. Tu vois, tu vois, c'était pas pour rien si on ne l'a pas fait à l'aller.
Bon, avec Chouchou, on est comme des gosses, sérieux. Elle regarde comment on fabrique les remorques de Tiny et elle est impressionnée. Je te fais voir là-bas comment ils travaillent les garçons. Ouais. Allez go. T'es content? Ouais, c'était intéressant. Je pense. Là, je vois qu'il. Ça. T'es rassuré sur la qualité de fabrication de la remorque, franchement, parce que. Peut-être que nous, à notre époque, sur nos modèles, parce que même ça fait 2 ans peut-être qu'on a commandé, 1 an et demi. Ouais. Il y avait peut-être pas toute cette technologie-là derrière, mais là, tout ce qu'ils viennent de mettre en place. Que c'est de la bonne cam. Ils nous ont pas payé pour dire ça. Non. Parce que là, quand tu investis dans un truc comme ça pour faire de la soudure, tu commences à avoir du bon matériel. Donc on verra si la note tient. Et, en attendant, on a, été soudé à la main. On a eu une rouge au pied gratos. Voilà, plus. Voilà. On n'est pas venu pour rien. C'est ça. Bon, ben nous, on repart. Voilà, avec ces bons 30 degrés. Voilà, avec notre maison.